Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. On va commencer notre module recherche opérationnelle avec ce chapitre numéro 9 intitulé Application sur l'algorithme de branche en banc. Si vous rappelez, au cours du chapitre précédent, dans le chapitre numéro 9, on a étudié la résolution de programmes linéaires en nombre entier. C'est-à-dire, notre programme linéaire, les variables qu'on cherche, ce n'est pas dans R. Ils sont dans des nombres entiers, dans N. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, ce sont des nombres entiers. Donc, on a étudié avec un ou deux exemples, avec un ou deux applications, l'algorithme de branche unbound. Donc, l'algorithme de branche unbound sert à résoudre ce type de problème. Donc, on va étudier d'autres applications et d'autres exemples pour bien étudier et bien comprendre cet algorithme de branche en banc. Donc, le plan de ce chapitre est le suivant. On a trois applications. On va étudier trois applications. Au cours du dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre numéro 9, on a déjà étudié des exemples dont on a résoudre des problèmes de maximisation. Les applications qu'on a étudiées déjà pour des problèmes de PLNE, problèmes linéaires en nombre entier et de maximisation. Donc, au cours de ce chapitre, on va étudier des exemples illustratifs de PLNE, problèmes linéaires en nombre entier, de minimisation, dans un premier lieu. Dans un second lieu, dans la deuxième application, on va étudier des problèmes de PLNE, mais cette fois-ci de maximisation, pour comparer la différence entre la résolution pour un problème de minimisation et un problème de maximisation. Et pour renforcer ces informations, on va étudier encore un autre exemple pour les problèmes de PLNE de minimisation, et cette fois-ci avec une représentation graphique. Donc, commençons par la première application. Donc, c'est un exemple ici illustratif, PLNE avec relaxation linéaire. Donc, soit un problème d'optimisation linéaire en nombre entier, ceci le problème. Donc, cette relaxation nous permet de trouver une méthode de résolution, le simplex. C'est la méthode d'évaluation qu'on utilisera. Donc, je vous rappelle, ici, on est en face d'un problème de PLNE, c'est-à-dire un problème en nombre entier, comme vous voyez ici en jaune, x1 et x2, des entiers. Il cherche de trouver x1 et x2 des entiers. Comme on a déjà mentionné dans le chapitre précédent, que parfois on a besoin que les variables qu'on cherche doivent être des entiers. Par exemple, je cherche le nombre d'élèves ou je cherche le nombre de machines. Donc, je ne peux pas avoir un demi-élève ou un tiers élève. Donc, il doit être de nombre entier. C'est très important ça. Donc, avec un problème toujours de minimisation ou de maximisation et avec les contraintes comme vous voyez ici. On a ici un problème de minimisation, mais avec les variables sont des entiers. C'est pour cela qu'on l'appelle PLNE. Donc, problème en nombre entier, PLNE. Ici, ceci est appelé problème linéaire discret. Pourquoi discret? Parce que on a les variables, ce sont des entiers. Ils sont des entiers. Pour cela, il est appelé discret. C'est pas appartient à un intervalle. Donc, ce sont des nombres discrets. 1, 2, 3, 4. Donc, et pour cela, on a dit discret. Maintenant, on a ce problème appelé P. Et on a un autre problème appelé R. Donc, ce problème R devient dans l'étape de relaxation. De relaxation ou relâchement. De relâchement. On va relâcher notre problème. C'est-à-dire quoi? On va garder la même fonction objectif, les mêmes contraintes comme vous voyez ici, mais on va juste ignorer cette contrainte, c'est-à-dire cette contrainte x1, x2 des entiers. On va l'ignorer dans l'étape de relâchement ou de relaxation. Donc ici, on a x1 et x2 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x1 et x2, ce sont des réels positifs, appartient à un intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini, appartient à l'intervalle R+. Donc c'est un problème linéaire continu.
C'est pour cela qu'on dit que ce problème, c'est un problème linéaire continu. Mais l'origine, le problème original, c'est un problème linéaire discret parce que les x1 et x2 appartiennent à n, ce sont des entiers, n'appartiennent pas à intervalles, ce sont des entiers. Donc, ceci est la première étape. La première étape, on dit que c'est l'étape de relâchement. De relâchement, c'est-à-dire on va chercher la solution de ce problème-là avec x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Ici, vous pouvez utiliser la méthode comme vous voulez. S'il ne demande pas, vous pouvez résoudre ce problème-là, ce problème avec un nombre réel, comme vous voulez, donc avec la représentation graphique ou avec la méthode de simplex, ainsi de suite. Donc, ici, par exemple, on va bien comprendre la différence entre le problème P et le problème R. Ici, je vous rappelle, ici, le problème linéaire discret en nombre entier appelé P et le problème relâché, le problème contenu appelé R. Donc, représentation graphique ici, on va représenter graphiquement, juste vite fait un petit rappel comment on représente graphiquement. On trace les contraintes. Moins 4x1 plus 6x2 égale à 9 et x1 plus x2 égale à 4. Et on a x1 et x2 positifs ici. Donc ceci est la première contrainte. La deuxième contrainte, ici en jaune, on va commencer par le problème relâché R. Ici, toute la partie en jaune, c'est la partie réalisable. C'est le polyèdre, espace continu, polyèdre. OK? Et on va déterminer la solution appartenant à ce polyèdre-là. OK? Ceci, n'importe quelle solution appartient à cette partie en jaune, c'est une solution réalisable, donc appartenant à cette partie en jaune. Ici, pour le problème relâché R. Par contre, pour le problème original P, on a la même région, mais cette fois-ci, ce n'est pas toute la région en jaune. Mais juste les points ici. On a les points ici qui correspondent aux solutions peut-être être optimales. Donc, aux solutions, une de ces points doit être une solution optimale. On n'a pas toute une partie réalisable. On a ici des points. Ce sont des entiers ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 possibilités ici. 13 possibilités ici pour les points, pour le problème P. Pour le problème, oui, P. Vous pouvez, une des méthodes, de tracer les contraintes et vous dégagez ici les points ou les solutions possibles et vous remplacez. Par exemple, ici, on a 0, 0. Vous remplacez ici 0, 0 et vous cherchez le Z. Ici, le Z et le Z égal à x1 moins x2 égale à 0. Par exemple, ici, c'est 0, 1. Donc, vous cherchez, donc 1, 0, pardon, 1, 0. Donc, vous remplacez x1 par 1 et x2 par 0. Et vous cherchez Z et vous comparez. On cherche ici toujours le min. Donc, vous pouvez prendre une par une et vous prendre le minimum entre ces points-là. C'est une solution, mais c'est une solution bête et naïve. Donc ici, vous voyez, si on a une région réalisable restreinte, donc petite. Si vous avez, vous voyez, si vous avez une région réalisable plus grande. Donc, vous ne pouvez pas prendre un par un pour discuter. OK? Donc, on a une méthode plus simple et plus efficace, c'est la méthode de branch and bound. Donc ici, juste on va étudier ce problème-là tout d'abord, c'est-à-dire on va chercher la solution dans cette partie en jaune, cette partie réalisable. Donc, arbre de branche and bound après relaxation linéaire. Donc, évaluation ou résolution du problème relâché R par le simplex. On va le résoudre avec ce problème-là, avec cet exemple ou cette application-là, avec la méthode de simplex. C'est la racine de l'arbre branch and bound, la liste, elle contient R. On va les découvrir tout de suite. Pardon. Solution trouvée par PHP simplex nous donne x égale à 1,5
x étoile, c'est-à-dire x1 étoile égale à 1,5 et x2 étoile égale à 2,5. Et la borne x étoile, c'est-à-dire le minimum, égale à 3,5. Donc, solution non entière et borne R inférieure à U, c'est-à-dire la solution ici n'est pas entière, c'est moins 3,5, n'est pas entière, même ici 1,5 et 2,5. Et moins 3,5 inférieur à plus infini, donc séparé. On va le séparer. Comment on va le séparer? Avant de passer, on a dit qu'on a ici déterminé la solution avec le PHP simplex. Qu'est-ce que le PHP simplex? Donc le PHP simplex, c'est un programme en ligne. Vous pouvez taper en Google PHP simplex et vous pouvez l'ouvrir facilement en ligne gratuitement. Donc, ce PHP simplex, il nous demande ici méthode, donc simplex de phase, ainsi de suite, comme vous voulez, comme vous voyez, comment vous voulez résoudre ce problème. Puis, il demande ici combien de variables de décision de problème. Ici, on a deux variables, x1 et x2. Combien de contraintes? On a deux contraintes. Et puis, on va taper continuer. Si vous avez tapé, entré toutes ces informations et tapé continuer, vous passez à la deuxième page, à la deuxième fenêtre. Donc, maintenant, quel est le but de fonction, de votre fonction? Est-ce que c'est une fonction de minimisation ou de maximisation? Ici, de minimisation. Donc, ici, il a déjà que, il sait déjà que vous avez deux variables de décision, x1 et x2. Donc, il demande la coefficient multipliée par x1. Et la coefficient multipliée par x2 dans la fonction objectif. On a ici 1 fois x1 moins 1 fois x2, c'est-à-dire moins 1 ici et x2. Maintenant, pour les contraintes, il demande de faire entrer les coefficients multipliés par chacune des contraintes. Donc ici 4, donc moins 4 x1 plus 6 x2 inférieur ou égal à 9, ainsi de suite, ou supérieur ou égal à 9, ainsi de suite. Donc, et x1 et x2 positifs. Ici, le PHP simplex ne résout pas que les problèmes à valeur réelle. Donc, nous-mêmes, le simplex, on peut l'utiliser que lorsque x1 et x2 appartiennent à R+. Donc, on tape continuer, il vous donne la solution exacte. Le Z, le x1 et le x2. Donc, c'est un programme que vous aide bien à détecter ou à trouver la solution exacte. Donc, maintenant, on a dit qu'on va ici, on a trouvé la solution optimale. Ici, la solution optimale, c'est R, x étoile égale à 1,5, 2,5, et la borne R, ici, égale à moins 3,5. Ce n'est pas entier, on va les brancher maintenant. On va les brancher. Comment on va les brancher? On va le tester tout de suite. Donc, arbre de branche unbound après relaxation linéaire. Séparation maintenant, séparer R. On va séparer ce R-là. On va séparer ce R-là. Donc, choix de XI, heuristique. Donc, comment on choisit les XI? Je choisis de séparer suivant X1 étoile ou X2 étoile, soit suivant X1 ou X2. Ce heuristique ici. Donc, on choisit un XI de vecteur solution x étoile. Donc, vous avez le choix de commencer par x1 ou x2. Ok? Personnellement, je choisis x2. Donc, c'est heuristiquement. Vous pouvez prendre x1. Ok? Vous pouvez choisir x1. Je choisis moi-même de séparer suivant x2. C'est-à-dire x2 ici à quoi égal? Égal à 2,5. On a le upper bound et donc ici xi inférieur ou égal à l'arrondi inférieur et l'arrondi maximum. Donc x2 inférieur ou égal à 2 et x2 supérieur ou égal à 3. Donc x2 peut avoir au minimum 2 et peut avoir au maximum 3. C'est-à-dire ici, x2 c'est inférieur ou égal à 2 ou x2 supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire ici, on va séparer suivant x2, une inférieure ou égale et l'autre supérieure ou égale. Donc, ici, si vous avez séparé, c'est-à-dire on va prendre le même problème linéaire, mais
les deux problèmes linéaires, mais on va ajouter à chacun une de ces contraintes. Donc ici, la liste de mise à jour contient R, R1 et R2. Ici, je vous rappelle, ici, on a R. On va le séparer R1 et R2. Un de R1 et l'autre R2. 1, il contient X2 supérieur ou inférieur ou égal à 2. Et l'autre X2 supérieur ou égal à 3. Donc, on va prendre ici, sous-problème, il est appelé sous-problème linéaire. On va le X2 supérieur ou égal à 3 appeler R1 et l'autre R2. Donc, le même problème linéaire. Dans le premier R1, on va ajouter X2 supérieur ou égal à 3. Et dans l'autre, on va ajouter X2 inférieur ou égal à 2. Et on va le résoudre avec le PHP simplex. C'est-à-dire ici, on va faire entrer, c'est pas deux contraintes, trois contraintes ici. Donc la première, donc, puis il demande de remplir. Ici, si vous remplir ici, vous avez 0 fois x1 plus 1 fois x2 et ici supérieur ou égal à 3. Et vous demande de calculer la solution. Il vous donne la solution déjà. Maintenant pour R2, on a le même problème linéaire mais avec x2 inférieur ou égal à 2. Et on va chercher la solution. Donc juste graphiquement, pour comprendre graphiquement qu'est-ce qui se passe. Donc ici graphiquement, on a le R1. Ici, on a appelé R1 et l'autre R2. Donc, ici, le R1. Le R1, lorsque vous avez X2 supérieur ou égal à 3. Voilà le R1. Le R1, ici, là, lorsqu'on coupe avec cette contrainte, cette inégalité, donc, il sort de la région réalisable. Si il sort de la région réalisable, donc, on n'a pas une solution admissible ici. Non. Non faisable, non réalisable. On n'a pas une solution ici. Ok? Lorsque vous coupez avec une nouvelle contrainte, lorsque vous coupez avec une nouvelle condition ou contrainte, et la contrainte sort de, le coupage sort de la région réalisable, ici on jaune la région réalisable. Et lorsque vous coupez ici, on sort de la région réalisable. Ok? Donc ici, si on sort de la région réalisable, on n'a pas, c'est pas faisable, on n'a pas une solution faisable ici. Maintenant, pour R1, c'est pour cela ici, pour R1, même si on demande à calculer à simplex, il vous donne qui est impossible. Donc ici, maintenant pour R2, si on coupe avec x2 inférieur ou égal à 2, ici la région réalisable, elle devient plus petite. Même le point pointillé ici, elle diminue. Ok? Donc, et on demande au programme de simplex de calculer la solution ici, le PHP simplex. Donc, on trouve x étoile, donc x1 étoile égale à 0,75 et 2, x2 égale à 2. Et la borne R devient moins 3,25. Ici, on a moins 3,5 et ici, on cherche toujours le minimum. Donc, on est en face d'un problème de minimisation ici. Donc, moins 3,25. Maintenant, on va évaluer. Évaluation ou résolution de sous-problème R1, car la stratégie utilisée est le parcours en profondeur à gauche à droite. C'est vous de choisir de parcourir en profondeur à gauche ou à droite. Moi-même, je choisis de parcourir à gauche puis à droite. À gauche, puis à droite. Donc, vous pouvez parcourir à droite, puis à gauche. Donc, c'est comme vous voulez, c'est un choix. Donc, je répète, évaluation ou résolution de sous-problème R1, car la stratégie utilisée, c'est une stratégie que je choisis. Stratégie utilisée et le parcours en profondeur de gauche à droite. On évalue le premier nœud à gauche, stratégie de recherche. C'est un nœud supprimé ou élagué, donc par non-admissibilité, parce qu'on ne trouve pas une solution admissible ici. Si on lance le simplex par pas de solution, il ne nous donne pas de solution déjà. Même si vous lancez le PHP simplex, il ne vous donne pas de solution. Le sous-problème est non-admissible, donc on supprime R1. On a supprimé ici R1.
de la liste pour non-admissibilité. La liste devient R, R2 maintenant. Dans notre liste, on a R, R2. Maintenant, on va évaluer le sous-problème R2. Ce sous-problème-là, on va évaluer ce sous-problème R2. Le sous-problème admet une solution non entier parce que ici on a 0,75 et 3,25, c'est une solution non entière. Solution trouvée par le PHP simplex nous donne cette solution-là. OK? Donc, borne de R2 inférieure à U, donc elle est inférieure à U, cette U-là, donc moins 3,5. Donc, on sépare R2 en deux sous-ensembles, R2.1 et R2.2. Donc, on va séparer ce R2-là, ceci est rejeté, le R1. On va maintenant séparer ce R2-là en R2.2 et R2.1. Juste comme remarque, cette appellation de R, R1, R2, R2.1, R2.2, c'est vous de choisir. Donc, c'est pas une appellation ou notation universelle ou avec convention, non. C'est moi que choisis d'appeler cette racine R, celle-là R1, celle-là R2. Je peux appeler P, P0, ici par exemple P00, P01, P02 ou P0, P11, P12. C'est moi de choisir d'appeler ces nœuds-là. OK? Donc c'est pas formel ou c'est pas obligatoirement d'appeler ou de prendre cette appellation. Donc ici on va séparer le nœud R2. Comment on sépare le nœud R2 et pourquoi on a choisi de séparer R2? Parce que ici R1 déjà elle est supprimée. Et on va comparer R1 avec R. Ici, R2 avec R. R2, elle est plus petite que U. C'est pour cela, et nous, en face d'un problème de minimisation. Donc, c'est pour cela, on va séparer R2. Maintenant, séparation de R2. Choix de X. On a déjà, on a choisi de R à R2, on a choisi de séparer suivant X2. Maintenant, on a déjà X2 égale à 2. Maintenant, on va choisir de séparer normalement avec X1. OK? Donc, séparer R2, choix de XI, on choisit un XI de vecteur solution X étoile. Donc, les X étoiles, c'est X1 égale à 0,75 et le X2 égale à 2. On choisit X1. Donc, le X1, on va l'arrondir inférieur et supérieur. Donc, on a ici X1 égale à ce X1. Il peut prendre au maximum 1, au minimum 0. C'est-à-dire on a x1 supérieur ou égal à 1 et x1 inférieur ou égal à 0. Donc on obtient deux sous-ensembles ou sous-problèmes. Je veux l'appeler R2.1 et R2.2. Maintenant la liste est mise à jour, contient R, R2, R2.1, R2.2. On a rejeté ce R1. On n'a pas ici R1. C'est-à-dire on a R, R2, R2.1, R2.2. Maintenant, on va ajouter ici déjà G. Ici déjà, on est dans cette ligne-là. GX2 inférieur ou égal à 2. Et on va ajouter 2 ici, suivant X1. Donc, x1 supérieur ou égal à 1 et x1 inférieur ou égal à 0. Donc, ici, on a x2 inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 2 dans le 2. Juste dans le R2.1, on va ajouter x1 supérieur ou égal à 1. Et dans R2.2, on va ajouter x1 inférieur ou égal à 2. De ça, c'est essuyé. À gauche, c'est le sous-problème linéaire de R2.1. Et à droite, le sous-problème linéaire de R2.2. On va le voir graphiquement maintenant. Ici, on a déjà le x2 inférieur ou égal à 2, ceci, cette rouge ici en horizontale, dans le deux problèmes. Maintenant, pour le x2, pardon, pour ici le x1 supérieur ou égal à 1. Ici, le R2, 2. Donc, le x1 supérieur, qu'est-ce qu'on a dit ici? Le x1 inférieur ou égal à 0, attendez, le R2.1. Le x1 supérieur ou égal à 1.
le x1 ici supérieur ou égal à 1. OK? Et ici, on a le x1 inférieur ou égal à 0. Il ne peut pas être inférieur ou égal à 0. C'est pour cela, on va prendre au maximum ici, voilà, x1 inférieur ou égal à... On va, parce qu'on n'a pas inférieur ou égal à 0. On ne peut pas prendre ce x1 négatif. Donc, au minimum, le x1 égal à 0, c'est-à-dire ici, x1 égal à 0. Et ici, vous avez x1 supérieur ou égal à 1. OK? Ici, vous avez le x1 supérieur ou égal à 1. Si vous prenez ce x1 inférieur ou égal à 0, ici, la solution, c'est-à-dire ici, la région n'échange pas. Et si vous prenez x1 supérieur ou égal à 1, la région, elle va changer. On va restreindre à cette partie-là. On va découvrir avec le problème de simplex, le programme de simplexité maintenant. Je vous rappelle le diagramme, ou l'arbre de branches and-bound. On a commencé par x étoile, qu'on a trouvé r égale à, ou u égale à moins 3,5. Et la solution de base 1,5, 2,5, c'est réel. On va choisir de débrancher ou de séparer suivant x2. X2 inférieur ou égal à 2 et x2 supérieur ou égal à 2. 3, on a trouvé cette solution n'est pas réalisable. Elle n'est pas donc non admissibilité. Et puis, on a trouvé avec le PHP simplex cette solution-là. Encore, malheureusement, n'est pas entière. Donc, on va le séparer encore. Donc, on a choisi de séparer suivant ici maintenant x1 parce qu'on a déjà x2 entier. On va le séparer suivant x1, x1 inférieur ou égal à 0 et x1 supérieur ou égal à 1. Et x étoile ici, on a x étoile ici 1, 2. La borne R de 1 égale à moins 3. Ici, avec la méthode de simplex, on trouve R de 1 égale à la borne, le min égale à moins 3. Et la solution 1, 2, c'est une solution ici entière. Mais on va voir, on va tester est-ce que c'est une solution optimale ou non. Maintenant, on va résoudre R2, 2. R2, 2, ici, on trouve 0 et 1,5. Ce n'est pas entière ici. Et la borne, c'est moins 3. Donc, nœud supprimé par borne, c'est-à-dire pourquoi? Parce que ici, moins 3... Le R de 2 supérieur ou égal à E. Donc, moins 3 supérieur ou égal supérieur à moins 3. Donc, et ici, U égal à 3. Donc, nœud optimal, solution entière supprimée de la liste L par optimalité U égal à moins 3. Donc, on a trouvé la solution ici optimale. Donc, la solution optimale, c'est cette nœud-là. Donc, ici, pardonnez-moi. Donc, on va revenir à notre problème. Donc, dans l'arbre, donc avec l'arbre de branche unbound, on a trouvé que cette nœud est optimale. Donc, on va l'évaluer maintenant. Arbre de branche unbound, relaxation linéaire, évaluation du premier nœud à gauche R de 1, car la stratégie utilisée est le parcours en profondeur à gauche à droite. Donc, on commence par à gauche. Nœud optimal, la solution est entière. Déjà, on a trouvé une solution entière. Donc, solution trouvée par PHP simplex nous donne x étoile égale à 1, x1 égale à 1 et x2 égale à 2. Et la borne x étoile égale à moins 3. Mise à jour de la borne supérieure u égale à moins 3. Maintenant, on a u égale à moins 3. La borne R2, 1, moins 3 donc. Maintenant, le nœud R2, 1 supprimé de la liste par optimalité pas de séparation. Donc, parce que on a moins 3 est plus grand que moins 3 ou égal à moins 3 avec l'autre est réel, c'est pas entier. Donc, la liste, on a dans la liste R, R2, R2, 2. Donc, évaluation de nœud R2, 2. La solution est non entière. Solution trouvée par
Le PHP simplex, donc évaluation de nœud R22, la solution on a dit trouvée par le PHP simplex nous donne x étoile égale à 0 et 1,5 et borne x étoile égale à moins 3. Donc nœud supprimé de la liste de la borne liste L R2. Donc la solution optimale est la suivante, R2, donc liste vide. Donc, arrêt de la procédure branch and bound, la solution optimale est x1 égale à 1 et x2 égale à 2 avec le z, le min de z égale à moins 3. Donc, ceci est la solution optimale. Donc, le branch and bound est basé tout d'abord à la solution de simplex qu'on a trouvée par le problème relâché. Par le problème relâché, puis on va discuter suivant le cas. Suivant le séparation, suivant le séparation de XI, de vos XI. Maintenant, donc on va étudier la deuxième application, la première application concernant un problème de minimisation. PLNE de minimisation. Maintenant, on va étudier un problème de maximisation, PLNE, mais un problème de maximisation. Donc, ce problème est le suivant. Maximiser Z égale à 3x1 plus 4x2 avec 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 6 et 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 9. Il veut que x1 et x2 appartiennent à N. C'est pour cela, c'est un problème PLNE. Donc, la première étape, on a dit, c'est une étape de relâchement, de relaxation. OK, donc c'est une étape de relâchement, de relaxation. On va éliminer cette x1 et x2 appartient à n et on va prendre x1 et x2 supérieur ou égal à 0. C'est l'étape de relâchement. OK, donc on va résoudre ce problème en utilisant le graphique ici. Donc le graphique ici, c'est une méthode pour trouver la solution optimale à partir de graphiques. Donc, on prend ici 2x1 et plus x2 égale à 6. On a 2x1 plus 3x2 égale à 9. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ici la ligne 1 et ici la ligne 2. On prend 2x1 et faire x2 de cette côté-là, donc égale à 6 moins x2, et 2x1 égale à 9 moins 3x2. On va faire ligne 1 moins ligne 2. On trouve moins 3 plus 2x2 égale à 0, c'est-à-dire x2 égale à 3 demi. Donc, si vous trouvez x2 égale à 3 demi, vous remplacez ici pour trouver x1. Donc, à partir de cette résolution-là, on trouve x1 égale à 9 sur 4 et x2 égale à 3 demi. Donc, le z ici égale à 51 sur 4. Donc, ici, c'est une méthode pour trouver graphiquement, la solution. Parce que ici, on a tracer cette ligne-là avec 2x1 plus x2 égale à 6 et cette ligne-là, 2x1 plus x2 égale à 9. 2x1 plus 3x2 égale à 9. Donc, c'est pour cela on peut prendre égalité et chercher x1 et x2. On a trouvé la solution x1 égale à 9 sur 4 et x2 égale à 3 demi. Donc, maintenant, on a cette première solution x1 égale à 9 quarts et 3 demi, et le z égale à 12,75. Maintenant, on est en face d'un problème de maximisation. Toujours, on va, voilà ici l'échelle. L'échelle de z, on a 12,75. On va chercher z étoile de façon ne dépasser pas, bien sûr, 12,75. Parce qu'on est ici dans cette région réalisable. Il ne peut pas passer, donc la solution entière, elle est dans cette région-là. Une de ces points. OK? Donc, il ne dépasse pas cette région-là. Donc, ici, le max de solution doit être la solution toujours inférieure à 12,75 entière, mais ne dépasse pas 12,75. Maintenant, on va séparer. OK? On va séparer. Qu'est-ce qu'on a ici, nous? On a 9,4. Et on a x2 égale à 3 demi. On a x2 inférieur ou égal à 1 et x2, on va choisir de séparer suivant x2. C'est à vous de choisir. Vous pouvez choisir séparer tout d'abord par rapport à x1 et vous pouvez choisir de séparer heuristiquement suivant x1, x2.
Donc ici, on va choisir de séparer suivant x2. Donc on va prendre x2 inférieur ou égal à 1 et x2 ici supérieur ou égal à 2. On a deux branchements ici. Et on va tester. Donc, on va ajouter ici cette ligne-là. Donc x2 inférieur ou égal à 1. On a ajouté cette ligne-là. Et on va chercher la solution comme dans le premier cas. On a 2x1 égale à 6 moins x1 est 2 et x2 égale à 1. On a x2 égale à 1. Si vous avez x2 égale à 1, donc vous remplacez ici pour trouver x1. Donc parce que ici, on a x2 inférieur ou égal à 1. Donc avec égalité, vous avez x2 déjà égal à 1. C'est bon, x2 égale à 1. Maintenant, vous remplacez dans une des contraintes et vous trouvez x1. Donc, c'est-à-dire ici, x1 égale à 5 demi. Donc, on a encore la solution n'est pas entière. Ce sont des réels ici. Et avec, vous remplacez ces deux valeurs-là dans la fonction de maximisation et vous trouvez le z. Le z égale à 11,15, 11,5. Maintenant, on va séparer suivant cette valeur-là, suivant x2 supérieur ou égal à 2. Donc ici, on a 11,5. Voilà, ici, on a 11,5. Et on va tester ici. On a x2 supérieur ou égal à 2. On a cette région-là, x2 supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire, on a ici x2 égal à 2. Et vous remplacez dans une des contraintes, vous trouvez x1 égal à 3,5. Donc, vous prendre x1 égale à 3,5, x2 égale à 2, vous remplacez dans la fonction de maximisation objectif, vous trouvez z égale à 12,5. Donc, on a ici 12,5 dans l'échelle, dans cette échelle. Vous avez le z étoile ici, le z qu'on a trouvé dès le début dans la racine r, c'est 12,75. Ici, on a 12,5 et ici, on a trouvé 11,5. Donc, le maximum entre 12,5 et 11,5, quelle est la meilleure, l'optimale qu'on peut le séparer? C'est 12,5. Donc, on va terminer avec cette séparation. 12,5. Donc, maintenant, on a dit qu'on va terminer avec cette séparation. On a déjà ici séparé suivant x2. Maintenant, on a x2 égale à 2. On va normalement séparer suivant x1. Donc, le x1 égale à 3,5 ici. Donc 1,5, c'est-à-dire ici on a x1 inférieur ou égal à 1 et x2 supérieur ou égal à 2. Le 1, le min c'est 1 et le max c'est 2. Donc ici on va commencer toujours la profondeur en gauche droite, comme vous voyez ici gauche droite. Donc on va chercher la solution ici dans en gauche. Donc toujours on a ici x1 inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire on prend x1 égal à 1, ici égal à 1. On prend x1 égale à 1. Et on vous remplacez x1 avec 1 et vous trouvez ici x2. OK? Donc ici, vous trouvez x2. Donc 7 sur 3. Et vous remplacez x2 et x1 dans la fonction de maximisation, vous trouvez 12,33. 12,33. OK, ici 12,5, mais ici 12,33. On va séparer suivant x2 supérieur ou égal à 2. On va comparer, évaluer. Maintenant, on a séparé suivant x1 supérieur ou égal à 2. Voilà ici supérieur ou égal à 2. Elle sort de la région. X1, voilà ici x1. Supérieur ou égal à 2. Sont infaisables ici, inadmissibles. OK? Cette solution est inadmissible. Donc, si vous prenez x1 égale à 2, x1 égale à 2, donc x1 égale à 2, et on a déjà x2 égale à 2, c'est-à-dire ici 2 fois 2 c'est 4, 4 plus 2, donc ici on a 6, ici 2 fois 2. Donc 2 fois 2, 4. 4 plus 3, 3 fois 2, 6. Donc c'est 9 ici. Et la solution est irréalisable. La solution est irréalisable. On a trouvé ici dans l'échelle, on a 12,5 et on a ici 12,33.
et on cherche à trouver Z étoile. Avec Z étoile, on cherche à trouver entier. OK? Maintenant, on va séparer suivant cette branche-là. On a ici séparé suivant X1, donc on va maintenant séparer suivant X2. Donc ici, on va séparer suivant X2 parce qu'on a ici X1, c'est 1 et X2, 7,3. Donc le min et le max, le min 2 et le max 3. Donc X2 inférieur ou égal à 2 et X2 supérieur ou égal à 3. Ici, on a X2 inférieur ou égal à 2 et X2 supérieur ou égal à 3. Et on va chercher la solution maintenant ici. Donc ici, on a trouvé une solution X1 égale à 1 et X2 égale à 2 et le Z égale à 11. Maintenant, pour X2 supérieur ou égal à 3, on a X1 égale à 0 et X2 égale à 3 et Z égale à 12. Maintenant, quel est l'optimal? L'optimal, c'est le max. Ici, on est dans un problème de maximisation. Donc, ce 12 ici. Donc, la solution optimale, quelle est la solution optimale? La solution optimale est celle-là. Malgré ceci aussi, c'est une solution entière. C'est une solution admissible, réalisable pour le problème PLNE. Mais ce n'est pas optimal parce qu'on a trouvé une meilleure. Le 12 ici, elle est meilleure que le 11. Donc ici, on a la solution optimale pour le PLNE. Ce x égale à 0, x1 égale à 0 et x2 égale à 3. Et le z ici égale à 12. Donc on va résumer ici. On a commencé déjà notre problème avec le nœud, la première nœud, la racine. On a cherché la solution Z ici égale à 12,75. Ici, on a utilisé la méthode de simplex juste graphiquement. Z égale à 12,75. Et on a trouvé X1 égale à 9 quarts et X2 égale à 3 demi. Donc, on choisit ici de séparer suivant X2. Vous pouvez choisir de séparer dès le début avec X1 ou X2. C'est heuristiquement. Donc, ici, x2, on a supérieur ou égal à 2. Et x2, inférieur ou égal à 1. On a cherché la solution ici, à gauche, puis à droite. À gauche, puis à droite. Donc, x2, inférieur ou égal à 1. On trouve x1 égale à 5 demi et x2 égale à 1 et 11, z égale à 11,5. C'est encore réel, c'est pas entier. On a cherché ici, x2 supérieur ou égal à 2. On trouve z égale à 12,5. Encore réel. Ici, quel est le plus grand? On compare quel est le plus grand? 11,5 ou 12,5? C'est 12,5. C'est pour cela qu'on va chercher de séparer suivant cette branche-là, suivant 12,5. Ici, on a le x2 est égal à 2, donc entier. On va séparer suivant x1. Donc, on a ici x1, 3 demi. Donc, il est comparé entre 1 et 2. Donc, x1 inférieur à 1 et x2 supérieur à 2. Et on va chercher ici. On a trouvé ici 12,33 comme z et ici inadmissible. Donc ici, on va comparer ce 12,33 avec le 11,5. Si vous avez, par exemple, ici 13,5, ce n'est pas 11, par exemple. Si vous avez 13,5, ici, on va recommencer, on va reprendre cette nœud-là. On va reprendre et séparer suivant cette nœud-là. Mais ici, on a Z égale à 11,5 et cette nœud-là, le Z égale à 12,33. C'est pour cela qu'on va séparer suivant cette nœud 12,33, suivant X2. Ici, suivant X2, donc on trouve deux solutions réalisables. Deux solutions où vous avez des entiers. Ici, Z égale à 11 et X1 égale à 1 et X2 égale à 2. Et ici, Z égale à 12 et X1 égale à 0 et X2 égale à 3. Donc, et on va chercher maintenant l'optimal. Le max ici, quel est le max? Ce Z égale à 12. On est dans un problème de maximisation, on cherche toujours à maximiser. Donc, quel est le max? Ici, le max, c'est 12, c'est-à-dire la solution optimale, c'est x égale à 0, ce x1 égale à 0 et x2 égale à 3. Donc, E, le Z, ici, égale à 12. OK? Donc, ceci est un problème de maximisation. Donc, on a déjà vu dans l'application numéro 1 un problème de minimisation de PLNE.
graphiquement et avec la méthode de simplex. Maintenant, au cours de l'application 2, on a vu un problème de maximisation, de PLNE, graphiquement, comment on résout graphiquement, comment on peut déterminer une solution graphiquement avec le système, juste avec le système, et comment on fait le branchement de branches and bound. Maintenant, pour renforcer ces apprentissages ou ces informations, on va étudier encore une troisième application, application numéro 3. Donc, on a ce problème-là, c'est un encore problème de minimisation. Donc, soit le problème, je veux l'appeler P0, le min de X1 moins 2X2, sous ces contraintes-là, moins 4X1 plus 6X2 inférieur ou égal à 9, X1 plus X2 inférieur ou égal à 4, X1 et X2 supérieur ou égal à 0, et bien sûr, ici, on a X1, X2 appartient à N. Appartient à N, donc c'est un problème PLNE. PLNE. Donc, on va noter ici comme solution admissible 0, 0. Quand, si vous remarquez ici, 0, 0, 0 entier et 0 entier, donc U égale à 0 entier. Donc, comme solution admissible à ce problème-là, c'est 0, 0. On va chercher maintenant l'optimal. Maintenant, le domaine admissible. Le domaine admissible est celle-là. Ces points-là. OK? Par exemple, 0, 0. Ou 1, 1. Ou 1, 2. Ou 2, par exemple, 3. Donc, ici, ce sont les solutions admissibles. Maintenant, en rouge, cette partie-là, en rouge, c'est la partie réalisable. C'est-à-dire quoi, la partie réalisable? Parce que ici, on est sous des contraintes. Sous des contraintes. C'est-à-dire, pardon, on va tracer cette ligne-là et cette ligne-là. Donc, ceci est la région réalisable. Donc, puisque ceci est la région réalisable, quel est le nombre de solutions qu'on a ici? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 solutions. On a ici 11 solutions. Vous pouvez prendre ces solutions une par une. Par exemple, ici, on a 0, 0, z égale à 0. Vous pouvez prendre x1 égale à 0 et x2 égale à 1. Et vous remplacez dans la fonction de z et vous cherchez est-ce que c'est une min ou non. Par exemple, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 0, 2, 2. 1, 2. Et vous pouvez le contrôler une par une sans utiliser la méthode de branch and bound, sans utiliser la méthode de simplex, sans utiliser aucun algorithme. Donc, vous pouvez prendre une par une et vous tester et vous prendre le minimum. OK? Parce que ceci est la solution réalisable. Juste avec le graphique ici. Avec le graphique, on détermine la solution réalisable et vous pouvez à partir de ces graphiques, vous déterminez le Z, le min de Z. Ici, on va étudier autrement avec l'algorithme de branche and bound. Donc, comment? Comme déjà on a dit, on a ces solutions-là. Ce sont des solutions réalisables de PLNE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce sont 11 solutions admissibles pour le PLNE. Maintenant, la première étape qu'on a dit dans le branch and bound, c'est l'étape de relâchement. L'étape de relâchement est de relâcher notre problème PLNE. Au lieu d'avoir les variables de décision dans N, on va le relâcher de façon que le variable de décision, donc notre variable qu'on cherche, dans R+, supérieur ou égal à 0. Donc, problème relaxé ou relâché. Problème relaxé, R, je veux le noter P0, et le min de X1 plus 2X2, sous les contraintes, moins 4X1 plus 6X2, inférieur ou égal à 9. Et X1 plus X2, inférieur ou égal à 4. Et avec X1 et X2, supérieur ou égal à 0. C'est un problème de minimisation. On peut le résoudre graphiquement ou avec la méthode de simplex comme vous voulez. Et vous pouvez utiliser le PHP simplex pour vous aider à résoudre ce type de problème-là. Maintenant, on va le résoudre graphiquement, nous. On va le résoudre graphique
graphiquement. Donc, ici, on a, si vous remarquez, si on va séparer suivant ici x1 et attendez, donc ici, ici la fonction de minimisation. La fonction de minimisation x1 plus 2 plus 2x2. Et on va, x1 plus 2x2, on va prendre le minimum. Ici, minimiser, donc ceci, c'est une solution optimale. Donc, la solution optimale de P0, c'est 1,5, 2,5. Et le B0, c'est-à-dire le Z min, égale à moins 3,5. OK? Donc, ici, on a... la solution, c'est pas entière, malheureusement. Donc, on a besoin de séparer suivant l'algorithme de branch and bound. Donc, je vous rappelle ici, on a x1 égale à 1,5 et x2 égale à 2,5. Donc, vous pouvez choisir de séparer suivant x1 ou x2. Moi-même, ici, toujours moi-même, je préfère de séparer suivant le plus grand. Le variable le plus grand. Ici, 2,5, plus grand que 1,5. Donc, je choisis de séparer suivant 2,5, x2. Donc, si x2 est non entier, on va le particier. Donc, partition. Donc, le même problème ici. On répète le même problème. Juste, on va ajouter ici, x2, on a égal à 2,5. C'est-à-dire, x2 au minimum va prendre 2. Au maximum, il prendra 3. Donc, on a le B0 égal à moins 3, ici, moins 3,5. Donc, le plafond, c'est moins 3,5. OK? Donc, on va toujours comparer avec ce moins 3,5. Donc, ici, on a dit qu'on va séparer suivant 2,5, suivant X2. Le minimum, c'est 2, le maximum, c'est 3. C'est-à-dire, on a deux contraintes ici, deux séparations. X2 inférieur ou égal à 2. Et x2 supérieur ou égal à 3. Donc, gauche, droite, on va appeler ceci P01 et ici P02. Comme je vous rappelle ici, la notation, c'est arbitraire. C'est vous de choisir d'appeler comme vous voulez. Ici, je choisis d'appeler P0, c'est relativement avec le premier P0, ici 1 et ici 2. Parce que le même devient de même branchement ici, de même arbre, P0, 1. P0, 2. Ici, dans le P0, 1, on a ajouté x2 inférieur ou égal à 2. Et dans le P0, 2, on a ajouté x2 supérieur ou égal à 3. Dans le premier, on a dit x2 inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire ici, x2 égal à 2. La partie, on va couper la partie réalisable par cette droite-là. Donc, la zone réalisable devient celle-là. Celle-là. OK? Maintenant, si vous coupez avec x2, donc on a dit x2 supérieur ou égal à 3. Donc, cette ligne-là. Ici, vous remarquez que cette ligne-là sort de région réalisable. Elle sort de région réalisable. C'est-à-dire ici, vous n'avez pas une solution admissible. On n'a pas une solution admissible ici. Donc, on a U égal à 0, U égal à 0 comme solution de base de PLNE. Donc, on a trouvé P0 égal à moins 3,5. On a séparé ici, suivant X2, P01 et P02. On a dit que P02 n'est pas admissible. Pourquoi? Parce que ce X2 ici, égal à 3, supérieur ou égal à 3, sort de la région réalisable. Si le coupage, votre coupage, ou votre droite que vous coupez ne coupe pas la région réalisable ou sort de la région réalisable, vous n'avez pas une solution réalisable ou une solution admissible ici. OK. Donc, cette nœud est à rejeter. Maintenant, on va chercher la solution dans P01. Donc, P01, les solutions de PLNE admissibles sont en jeu. Donc, elle diminue. Déjà, au premier, on dit qu'on a 11 solutions. Maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ici. Donc, on n'a pas à prendre celle-là. Parce que celle-là, c'est réel. C'est pas entier. Donc, encore, on a 11 possibilités.
Maintenant, on va chercher la solution. Donc, on va le rappeler qu'est-ce qu'on a déjà fait. On a le P01, le min de x1 moins 2x2 sous les contraintes, sous ces contraintes, les mêmes contraintes, moins 4x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 9, x1 plus x2 inférieur ou égal à 4, x1, x2 supérieur ou égal à 0 et x2, on a ajouté x2 inférieur ou égal à 2. Maintenant, le problème relaxé R P01, le P01, qu'est-ce qu'on a? Le min de x1 moins 2x2 sous les contraintes, moins 4x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 9, x1 plus x2 inférieur ou égal à 4 et x1, x2 positif, mais cette fois-ci, ce n'est pas dans n, on a juste x2 inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 2. Donc, insiste, ici, c'est le problème P01. Ici, le problème P01 relaxé. Relaxé, c'est-à-dire on n'a pas le x1 et x2 appartient à n. Ce x1 et x2 sont positifs ou égal à 0, appartient à R plus. Donc relaxé, problème relaxé, on n'a pas x1 et x2 dans n, c'est appartient à R plus. Donc ici, on a juste ajouté x2 inférieur ou égal à 2. Donc, la solution de ce problème-là, de x2 inférieur ou égal à 2, la solution admissible ou optimale de ce problème-là, est cette solution-là. 2. Et on va le projeter, cette solution-là. Donc, la solution, c'est 0,75. Donc, ici, on a 0,75. Ce n'est pas 1. Donc, c'est 0 si vous projetez ici 0,75 et 2 ici. Donc, et le B01, c'est moins 3,25. On va toujours le comparer avec, ici, avec le moins 3. Si je me rappelle bien, avec moins 3,5. Avec moins 3,5. Donc, ici, on trouve moins 3,25. Donc, on va séparer maintenant suivant X1. Parce que X1, c'est entier. OK? C'est entier. Donc, et non entier, pardon, c'est réel, c'est non entier. Donc, on va le séparer maintenant suivant x1. Donc, toujours, on a le même problème avec, bien sûr, on est dans le même branchement, x2 inférieur ou égal à 2. X2 inférieur ou égal à 2. Juste ici, on a x1 égal à 0,75. Le min, c'est 0 et le max, c'est 1. Donc, ici, on va séparer suivant x1. On va ajouter à. Ici, on va l'appeler P011 et ici P012. Donc, P011, on va ajouter x1 inférieur ou égal à 0. Et ici, on va ajouter x1 supérieur ou égal à 1. Et on va tester maintenant et comparer suivant ce deux problèmes-là. Maintenant, graphiquement, donc on va voir. Donc, pardonnez-moi. Donc, je vous rappelle ici, juste ici, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a déjà fait. On a séparé suivant tout d'abord x2. On a trouvé une solution admissible et l'autre n'est pas admissible. Donc, l'admissible, on va comparer. On a trouvé moins 3,25. Moins 3,25. Et on va comparer avec moins 3,5. On peut encore le séparer parce que déjà on a trouvé 0,75. C'est pas entière. Donc c'est pas oui entière, c'est réel. Donc on va le séparer suivant ici. Donc suivant ici le x1. Oui, le x1. On a déjà x1 inférieur ou égal à 0 et le x1 supérieur ou égal à 1. Voilà ici ce P011 et ici P012. Dans le P011, on a x1 ici inférieur ou égal à 0 et ici on a x1 supérieur ou égal à 1. Ceci est à rejeter. OK? Donc on va chercher la solution ici de ces deux problèmes-là. Donc ici, on va prendre ici, on a x1 inférieur ou égal à 0. Donc, ici, c'est les x1. Donc, on a cette région réalisable. Elle est diminuée, la région réalisable. Voilà. On a cette région-là. Donc, pourquoi? Parce qu'on a
Cette droite là, x1, qu'est-ce qu'on a dit nous? x1 inférieur ou égal à 0. On ne peut pas prendre inférieur ou égal à 0, c'est égal à 0, donc cette ligne là. Et l'autre, x1 supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire ici, supérieur ou égal à 1. Donc la région, elle diminue à cette partie-là. Pour x1, supérieur ou égal à 1. Donc ici, la solution optimale, c'est cette solution-là. 0 et 1,5, je crois. Donc oui, 0, 1,5. Et le P, la solution, c'est moins 3. Donc la solution ici optimale de P011, de P011, de cette gauche tout d'abord, de cette branche-là, P011, c'est encore entière, donc 0 et 1,5. Et avec le Z égal à moins 3, c'est encore entière. L'autre maintenant, on va chercher le P012. Donc on a trouvé le P011, moins 3, on a mis ici moins 3. Maintenant, on va chercher P0112. Donc, juste, on va rappeler qu'est-ce qu'on a déjà fait pour le P0112. On a le min avec x2 inférieur ou égal à 2 et x1 supérieur ou égal à 1, avec les autres contraintes, bien sûr. Et les problèmes relaxés maintenant, ceci, c'est le problème original. x1, x2 appartient à n. Et le problème relaxé, le problème relaxé, ce R, P01. Juste, on va enlever x1 et x2 appartient à n. C'est-à-dire, on a ici moins 4x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 9, x1 plus x2 inférieur ou égal à 4, x1 et x2 supérieur ou égal à 0 et x2 inférieur ou égal à 2, avec x1 supérieur ou égal à 1. On a x1 ici supérieur ou égal à 1 et x2 inférieur ou égal à 2. On est dans le même branchement parce qu'on est ici. X2 inférieur à 2 et x1 ici supérieur à 1. Donc la solution est celle-là. La solution est x1 égale à 1 et x2 égale à 2. On a trouvé la solution optimale de RP012. C'est 1, 2. C'est ici entière. Donc solution entière, c'est donc la solution optimale pour P012. C'est U égale à moins 3. Et toujours, on va le comparer avec le premier U égale à moins 3,5. Donc, c'est admissible. Ici, on a U égale à moins 3. On a U égale à moins 3,5. Ici, moins 3,25. Ici, on a dit qu'on va séparer suivant cette branche-là. Ici, c'est moins 3. Et ici, encore, c'est moins 3. Donc, ici, on a trouvé une solution entière. Donc, on s'arrête ici. Si vous, par exemple, vous trouvez ici P011 égale à moins 2. On ne peut pas prendre moins 2, c'est moins 3,1 par exemple. Moins 3,1. Si vous trouvez ici moins 3,1, vous terminez de brancher suivant cette ligne-là. Mais ici, on a trouvé moins 3, moins 3. Cette solution n'est pas entière, n'est pas entière, mais cette solution-là, c'est entière. Donc la solution optimale, c'est celle-là. Donc, élimination de sous-problème, comment on a éliminé ces sous-problèmes? U a été modifié. Le sous-problème dont la borne est plus grand ou égale à U peuvent être supprimés. Le sous-problème dont la borne est plus grand ou égale à U peuvent être supprimés. OK? Donc, on a la solution optimale, x1 égale à 1 et x2 égale à 2. Et la fonction objective, c'est égal à moins 3. Donc, pour conclure, j'espère tout d'abord que ces trois applications servent à vous bien comprendre cette notion ou cet algorithme de branche en bande. Donc, la catégorie de PLNE, le problème linéaire en nombre entier, c'est très important parce que c'est toujours. On trouve en réalité dans nos problèmes de vie générale ou dans les sociétés, ainsi de suite, des problèmes où on a besoin de chercher des solutions doivent être entières. Comme j'ai déjà dit, des machines, je sais pas, des matériels,
de l'eau, des êtres humains. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de situations où vous avez trouvé ou obligé de chercher des solutions entières. Ce n'est pas réel. C'est pour cela qu'on a besoin de connaître comment on peut résoudre ce type de problème. Et dans le problème réel, vous avez déjà le PHP simplex et vous avez d'autres problèmes que vos programmes que vous êtes à simplifier ou à résoudre ces problèmes-là. Mais avec les PLNE, il faut vous-même de brancher, par exemple avec le branch and bound. Vous avez deux méthodes, comme on a déjà vu maintenant. Vous avez la première méthode est de tracer les contraintes, ainsi de suite, et vous déterminez la solution réalisable. Et maintenant, vous déterminez dans la solution réalisable les solutions entières. Et vous testez une par une. Et si vous avez, et si vous avez déjà, vous êtes déjà dans un problème de maximisation, vous prenez les max. Si vous êtes dans un problème de minimisation, vous prenez le min. Et c'est une solution évidente, naïve un peu. Mais c'est une solution. Maintenant, la deuxième solution est d'utiliser l'algorithme de branch and bound. L'algorithme de branch and bound, c'est un algorithme de branchement, de séparation et évaluation. La première étape est l'étape de relâchement, de relaxation. L'étape de relâchement sert à résoudre le problème dans un espace plus grand, dans toute la partie réalisable dans un espace plus grand, c'est-à-dire c'est pas discret, de passer d'un problème discret à un problème continu. Donc un problème continu, on cherche à déterminer les variables dans R+. OK? Dans R+, c'est-à-dire positif les variables. Donc on cherche toujours à déterminer les variables et on va débrancher suivant X1 ou X2. Ainsi de suite. Et vous testez toujours la solution d'ajouter la contrainte que vous avez déjà ajoutée, par exemple x2 supérieur à 2 et x2 inférieur à 1, ainsi de suite. Et vous testez, ajoutez à votre contrainte et vous cherchez la solution et vous comparez ici l'étape d'évaluation et vous comparez avec l'autre solution. L'autre solution et vous prenez toujours le max. Ainsi de suite, si vous avez dans un problème de maximisation, vous prenez les max et ainsi de suite jusqu'à trouver la solution optimale, c'est-à-dire la solution entière. Donc finalement, merci pour votre attention. J'espère que ce module trouve ou résoudre des problèmes dans votre vie. C'est très très important ce module de recherche opérationnel et merci bien.